Eh bien salut à tous et bienvenue dans Fallout 4 épisode numéro 7. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, deuxième édition parce qu'en fait j'ai eu un petit souci de sauvegarde. Donc du coup on est obligé de recommencer cet épisode 7. Mais bon évidemment vous n'avez que la version qui est bonne. Voilà donc en fait on va reprendre. Alors attendez, on va faire charger. On va reprendre cette sauvegarde là en fait. Puisque j'ai eu un petit problème. Alors je pense que c'est du mode que j'ai dû remettre, enfin que j'ai remis à jour et j'ai ajouté quelques petits contenus et du coup je pense que ça a un peu fait merder ma sauvegarde. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, toujours est-il que visiblement, ce que j'ai compris, c'est que au Musée de la Liberté, les pillards ont ripop. Ripop. Bon. Bref, ils sont revenus. Voilà. Et du coup, il va falloir de nouveau les tuer. Mais bon, c'est pas très grave dans la mesure où c'est le début de partie, donc voilà, c'est pas non plus catastrophique. Mais bon, c'est vrai que c'est du coup un petit peu on va le larguer. Ça aussi c'est pareil, en plus ça pèse un poids fou ce machin. Ça on va le larguer. Les soins on va garder, ça on garde. Ça aussi, on peut s'en débarrasser aussi. Voilà. Donc on est un peu mieux au niveau de poids. Donc, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va re-sauvegarder. Voilà. Pour être bien, on peut être obligé de le refaire si jamais on a besoin. Voilà, donc, ce que je propose, c'est du coup de repartir au musée. Se redébarrasser de nos amis pillards. Tant pis pour ce qu'on avait fait la dernière fois. Bon, en même temps. Ça va nous permettre d'en gagner un peu d'expérience en début de partie, donc ça va pas nous faire de mal. Je pense que, notamment pour affronter le gros monstre là par la suite. Par contre, ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est que le chien a disparu pour l'instant. Bon, je sais qu'il va revenir après. Dans la première version, il avait fini par revenir. Mais là pour l'instant je suis sans le chien, donc il va falloir faire ça. Ah bah le voilà. Justement. Donc c'est parti. Alors à moins que en faisant mes petites manipulations ça refasse disparaître les... Ouais, non, ils sont là. Ils sont bien là, ils sont bien revenus. Les canaillous. Merde, c'était quoi ça? C'est que on est aidé par waouh, c'est chaud et c'est bon, c'est ça qui est bon. Ah ouais, je
me suis fait avoir. Mais purée, ça c'est de la fusillade. Ça c'est de la fusillade. Chaque numéro de palissade débloque un élément unique à construire dans les ateliers. D'accord. Alors c'est peut-être pas la bonne arme à prendre. Non, pas si c'est pas... attendez. 6. Alors, 12. Ouais, si ça c'est pas mieux. Ouais, mais j'ai que 11 balles aussi, c'est ça le truc. J'ai que 11 balles. Mais bon, on va essayer. Et ça, c'est de la fusillade. Ça, c'est vraiment... c'est corsé, quoi. C'est corsé, c'est pas facile. Hein. Ouais, c'est ça qui me plaît, justement. C'est pour ça que je joue en mode survie, parce que... Sinon, c'est trop simple. C'est trop simple, c'est pas moi. Les adversaires, on les élimine en 2-2, et... ils réagissent quasiment pas. Alors qu'en survie, je peux vous dire que 2 balles... Et on rigole moins. Alors ce que je propose, c'est d'essayer de jeter un cocktail Molotov sur sa gueule à l'autre là, avant qu'il nous voie. Ça peut peut-être valoir le coup. C'était une bonne idée le coup du... Le coup du... Comment dire... du cocktail Molotov. Par ici là, on pourrait peut-être essayer de le choper. On a peur, hein? Il y a de quoi. Ouais, mince. Ouf, oh, ce sang sur le mur. Oh là 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 là, ça c'était. Ah, c'est dommage parce que j'avais passé de niveau en plus. C'est dommage. Bon, on y retourne, hein. On lâche pas l'affaire. Ça c'est bien à bout portant en fait. C'est bien cette arme là qui est la meilleure pour l'instant. Alors j'ai faim si on se prenait un petit truc. Thank you.
chien qui mystérieusement réapparaît à chaque fois qu'on revient. Mais elles sont plus là. C'est bizarre. Extrêmement bizarre, là il n'y a plus personne. Ouais, là il y a tous les trucs que j'ai stockés. Ok, super. Bon, bah en fait, c'est bon, on va pouvoir la faire. On va pouvoir faire la suite en fait. Pour finir, ils ont des pop. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, à l'occupation britannique. On va quand même se méfier, hein. Des fois qu'il y aurait. Qu'il y aurait. C'est tombé ça. Bon, bon, on va pouvoir voir Preston Garvey. Bon, alors c'était voilà, donc c'était sympa en fait. On s'entraîne aux fusillades quoi, c'est ça. C'était l'entraînement. Alors, on va aller voir Preston Garvey du coup. Parce qu'on est dans On est dans une version où les monstres sont plus là, ils ont dépopé, enfin les gens qu'on avait tués l'autre fois. Ouais. Ouais, ils sont morts, voilà. Mais on l'avait tué la dernière fois. Bon bah c'est bien. PC ici, utilisé. Bienvenue. User, nanana. Donc c'est que ça, on peut le chien. Tout le monde a un arbre, son bien pour la cette petite édition. Ok. Un niveau, je choisis une aptitude dans le Pit Boy. D'accord. Argent d'avant-garde, ça je suis sûr que ça se vend bien en fait. Un niveau, on va le faire, hein. Tableau d'aptitude. Bah non, j'ai pas de points en plus. Il est déliré quand il dit que j'ai pas de niveau en plus pour l'instant. Je suis toujours au niveau 4.
Bon, allez. Je ne sais pas qui vous êtes, mais vous tombez à pic. Preston Garvey, des miliciens du Commonwealth. Les miliciens ? Les miliciens ? Je reviens dans le passé, là. Quand personne ne peut plus rien pour vous, les miliciens sont là. C'était l'idée, en tout cas. Non, c'est je voulais ça. Me rendre utile, alors je me suis engagé. Mais tout est parti en vrille. Et aujourd'hui, on dirait bien que je suis le dernier des miliciens. Nom d'un chien. Qui sont ces gens ? C'est qui, ces gens ? Juste des gens qui cherchent un nouveau foyer. Un nouveau départ. Je suis avec eux depuis Quincy. Lexington avait l'air bien au début. Mais les ghouls ont fini par nous chasser. Il y a un mois, on était 20. Hier, 8. Et maintenant, plus que 5. Il n'y a plus que moi, les Long, Marcy et June. Sur le canapé, c'est la vieille Mama Murphy. Et lui, c'est Sturges. Des ghouls ? Des ghouls ? C'est quoi ça ? Un chien. Vous n'êtes vraiment pas du coin, hein ? Les ghouls sont des gens irradiés. La plupart sont comme vous et moi. Elles ont une sale tête et vivent plus longtemps que la moyenne. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont rongé le cerveau et elles sont totalement sauvages. Non. Dès qu'elles vous voient, elles n'ont qu'une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais on a encore une idée. Ça suffira ? Est-ce que ce sera suffisant pour arrêter ces dingues ? Sturges, expliquez-lui. Il y a un vertiptère qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu. Apparemment, un de ses passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Je parle d'une authentique armure assistée T-45, modèle militaire. Armure assistée ? Qu'est-ce qui rend cette armure assistée si spéciale ? C'est un modèle à servomoteur interne Westech. Une fois à l'intérieur de ce petit bijou, on devient un véritable surhomme. Plus fort, plus robuste, résistant aux radiations et ample. Avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertiptère. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez ? Minigun. Et je pourrais utiliser ce minigun comme un fusil ? Je vois pas ce qui vous en empêcherait. Il a une gâchette et tout le reste. Suffit de viser dans la direction des méchants et d'arroser comme un malade. Pour ce qui est de l'armure, elle est à sec. Ses batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger. Mais dans notre situation... C'est quoi la solution ? Alors, quelle est la solution ? Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisait l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on ne peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Oui. Ça ne devrait pas être trop dur. Je vais voir ce que je peux faire. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez aux pillards qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne chance. Hey, Sturges. Vous voulez essayer ? Vous ferez pas pire que moi, de toute façon. Mot de passe requis. Waouh. Ah oui, c'est avec les mots. Similarité 1, alors peut-être trash. Avec le T. Ouais. De sécurité. Obtenir un réacteur à fusion. D'accord.
Faites vite. Ils se rassemblent pour lancer une autre attaque. Je ne les retiendrai pas longtemps. Eh ? Écoutez, Sturges est peut-être costaud, mais il ne sait pas se battre. J'ai besoin de vous. Quand on vous voit faire, on pourrait croire que c'est fastoche. Voyez un peu ce que Canigou nous ramène. Canigou ? C'est votre chien. Oh, ce n'est pas mon chien. Non, non, non. Il a toujours été très indépendant, notre Canigou. Il est libre et il n'appartient à personne. Mais il choisit ses amis et il leur est fidèle. Il va vous accompagner maintenant. Je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Mais c'est la drogue, vous voyez. C'est elle qui me donne la vision. Ça a toujours été comme ça, d'aussi loin que je m'en souviens. La vision ? C'est quoi, la vision ? Je vois un peu de ce qui a été et de ce qui sera. Et même de ce qui est à l'instant présent. Et en ce moment... Je vois que quelque chose approche. Quelque chose qui a été attiré par le bruit et par le chaos. Et je perçois une grande colère. D'accord. Quelque chose de gros approche. Pigé. Je sais que ça fait beaucoup à digérer, et j'aimerais pouvoir vous en dire plus. Mais la vision n'est pas toujours d'une grande clarté. Et maintenant, sauf erreur de ma part, vous avez du travail. Vous avez l'intention de mourir aujourd'hui ? Non ? Alors bougez-vous ! On a besoin d'aide, et qu'est-ce qu'on reçoit ? Quelqu'un qui sort tout droit de son abri ? Qu'est-ce que vous comptez faire dans votre combinaison débile ? Vous videz de votre sang. Oh bah elle est sympathique, elle. Monsieur ? J'avais promis qu'on y arriverait, promis. J'avais promis qu'on y arriverait, mais j'ai pas tenu ma promesse. Pardon. Jolie. C'est toi, votre perso, on a un bonus permanent. Yeah. C'est avec nos vies que vous jouez. Vous m'écoutez, là ? Continue à fouiller avant de... Oh, une bouteille, ça c'est bien. Pour aller prendre de l'eau tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. C'est 4 fois qu'on aille prendre de l'eau. On retourne à la base. Enfin, je veux dire au... Comment ça s'appelle ? Ah ! Je retrouve plus. À la station nucléaire, enfin je veux dire à la. Ouais. Enfin à la base nucléaire. À la l'ambri anti-atomique. On va y arriver. Alors du coup c'est par où faut aller. C'est plutôt par là, je dirais. On va passer prendre les escaliers. On va récupérer le réacteur à fusion. S'il y a rien. Est-ce qu'on l'a déverrouillé ? Ah, c'était le réacteur fusion de l'armure assistée. D'accord. Mais ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va aller sauvegarder et on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 7. Parce que, comme d'habitude, l'idée c'est de ne pas faire des épisodes trop longs. Alors, attendez, on va sortir, c'est par où on sort. C'est par là qu'on sort. Donc, on a perdu pas mal de temps avec cette histoire de fusillade, là, un petit peu. Qui a pris un peu de temps, on va en profiter. C'est-à-dire que là, on va se remplir, on a un peu de place, on va se profiter pour remplir. Alors, ça je vais le prendre.
transfert. On va prendre. On va stocker. On va. Attendez, tout, là, je vais y arriver. Donc. Voilà, 103, c'est bien. On va retourner de l'autre côté. On a pris toutes les bouteilles. Ce qu'on va faire avant de se quitter, c'est qu'on va retourner à l'abri antinucléaire. Chercher à boire avec toutes les bouteilles qu'on a récupérées là, on en a pas mal. Là-haut. Mais chef, y a quelqu'un là-haut. Oh là. Ah oui, mais. Y a du Pierre qui est revenu. Par se méfier. Si je descends comme ça, je vais tomber, je vais me faire mal. Je vais voir même me tuer, il faut que je descende, que je passe par en bas. Et que j'arrive à passer par derrière, peut-être. Pas que les pierres me voient. En fait, mais ils sont pas derrière. On ne voit pas. On est passé dans la rue derrière. Si on les avait tués. C'est cette maison-là, normalement, on peut sauvegarder. Ouais, c'est celle-là. On va stocker ici. Thank you.
Lui est pas mal, ce fusil. Ok, on va sauvegarder. Voilà. Vous avez ça, vous avez un petit creux. Ok. On va aller remplir nos bouteilles. On a quoi là comme bouteille? C'est dans le cabrac. On en a 8. C'est bien ça. On va se faire aussi un peu de cuisine avant de. Je crois qu'il y a un poste de cuisine ici en plus. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi à faire. Il y a la grotte à faire là. On fera ça la prochaine fois. Je crois d'ailleurs qu'on fera ça avant de... histoire de passer le niveau. On fera ça avant d'aller affronter le gros boss. Il y a une grotte ici sous la station. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Chercher l'eau. On refait la station. Et on s'arrêtera là pour cet épisode 7. Et cette fois-ci, ça se sera déroulé sans accro. Alors, on va fabriquer aussi ce qu'on peut fabriquer. Bête, il faut d'abord le déclencher ici. Allez, on va se chercher de l'eau purifiée. Bon, après, on sera autonome hein, à ce niveau-là. On pourra se fabriquer des robinets, mais pour l'instant, on est dépendant. Hein. Parce que sinon, on est condamné à boire de l'eau irradiée, ça, c'est pas terrible.
Donc le seul point d'eau pour l'instant qu'on trouve, c'est celui-là, c'est celui de la base de départ, enfin c'est celui de l'abri anti-nucléaire. Ah bah notre chien nous attend en bas, il est trop balèze notre chien. Il arrive à descendre avant nous. T'es trop fort mon chien. Allez, on va tout de suite chercher de l'eau. Normalement, il y en a par là. Ah, ici. Allez, on remplit les bouteilles, c'est parti. Ok, on est bon. Allez, on s'en va. On retourne dehors. Ce que je propose, c'est d'investir le Red Rocket pour se faire un lit à cet endroit-là. Ouais. Ça peut être pas mal. Et comme ça, la prochaine fois, directement, on ira, on se fera la... On se fera la... Comment ça s'appelle? Ah! J'y arrive plus. On se fera la grotte en dessous. Et donc du coup, on fera ça l'épisode, je pense, épisode 8, épisode 9. Donc on fera le... On fera le musée. Enfin, on continuera le scénario principal. On va faire comme ça, ça me paraît un bon scénario. J'achète le scénario. Allez. Au cas où. Direction le Red Rocket, on traîne pas. Alors là, tu as eu le permis de construire, modifier, supprimer les objets, structures proches, parcourir les options, bon, ça, ok, on connaît rien. Donc, ce qu'on va faire. Alors, est-ce que déjà. Il faut du tissu. On a de l'acier, mais pas de tissu. Il manque un tissu. On va essayer de trouver de quoi recycler un bout de tissu. Où est-ce qu'on va trouver ça? Mmh.
tissu qui traîne là. Scotch pinceau. Un bout de tissu, on peut pas sauver là, on peut pas faire de lit. Tant pis, on va retourner à l'autre lit. Pourquoi tu grognes, mon copain? Non, bon, c'est une fausse alerte. Alors, à moins qu'il y ait un bout de tissu là, ici. Non, j'ai pas le souvenir d'avoir fermé la porte ici. Ah mais c'est notre maison ça. Voilà. Attendez, je comprends plus rien. C'est bien la maison qu'on avait... Non, c'est la maison à côté, on voit. Il y avait un lit ici aussi, alors. Bah non, mais aussi elle est condamnée. J'avais pas stocké plein de trucs ici. Wow, ça me rend fou ça. J'avais stocké plein de trucs ici dans cette armoire là. Bah ouais, parce que même il y a le truc et tout, il y a le. Bon, d'accord, s'il perd les trucs qu'on a stockés, c'est le truc à la con, quoi. Je suis un peu dégoûté, là, quand même, parce que... Si on peut rien stocker, qu'il perd tout, c'est chaud, quoi. Recycler celui-là, on aurait pu en obtenir d'ailleurs c'est ce qu'on va faire. Dans un désinventaire dans le... ça va pas le faire. Bon, j'ai
garder le pinceau. Je prône de quand même faire un lit, de sauvegarder, de stocker les trucs au Red Rocket. Hein. Ça me paraît plus sage. Que dans une armoire lambda dans une maison. Ici, il garde plein de trucs. Alors. Donc, si on prend ça. Pinceau là, il y en a un pinceau. Voilà. Comment je fais pour le recycler? Et là on devrait en avoir assez en fait. Parce qu'il va. Ouais, c'est ça. Il va me décrafter le pinceau. Donc on peut faire un lit maintenant. Ok. Super. Bon. Bah voilà, on va pouvoir sauvegarder ici. Bon bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 7. J'espère que c'est parce que j'ai fait des petits changements dans les modes et qu'il y a eu des histoires d'inventaire disparu. Bon, c'est pas très très grave. Donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour l'épisode numéro 8. Allez, ciao, à la prochaine.